Donc bonjour à tous. Une réponse suite à un commentaire sur la vidéo sur les lapins, la production de lapins, qui est une des productions les plus sinistrées. Donc on répond pas toujours à tous les commentaires ou à toutes les mails qu'on peut recevoir ou interventions diverses. Mais là, je vois un commentaire de Monsieur Vincent Billy. Donc nous, on est très intéressés par ce genre de commentaires. Encore un qui parle sans savoir, je le cite. Donc nous, le SAMU social, nous sommes à sa disposition pour le recevoir quand il veut, où il veut. Je précise qu'il y a des numéros de téléphone décrits sur le SAMU, donc il peut appeler les gens du SAMU. Et puis, si on parle sans savoir, eh bien, on est prêt à le rencontrer, ce monsieur, avec comptabilité à l'appui. Lui, je suis sûr qu'il saura être efficace et nous montrer les comptabilités. Et on verra si en 2020, on peut installer des jeunes en lapin. Si un couple peut vivre avec du lapin. Si, puisque je crois savoir qu'il est vendéen, est-ce qu'il est capable, je ne suis pas difficile moi, est-ce qu'il est capable de me trouver 5 comptabilités de couples qui vivent du lapin depuis 20-30 ans? Par exemple à la CPLB, ou à la SIAB, ou à Terena. Je ne suis pas difficile, moi. Donc, je suis à sa disposition quand il veut, où il veut. Malheureusement, ce n'est pas des mensonges que le SAMU diffuse. Et malheureusement, l'agroalimentaire, avec les complices des coopératives et des centres de gestion, continue d'installer des jeunes en lapin pour faire tourner des boutiques, pour vendre de l'aliment et envoyer des techniciens dans les exploitations. C'est ça la vérité du terrain. Il y a longtemps que ça dure, hein, bien entendu. Ce qu'on dénonce là, il y en a certains, on ne leur apprend rien. Il y a longtemps qu'ils sont au courant de la situation, mais le problème, c'est que ça dure. Alors derrière, il y a mort d'homme. Nous, si on continue, c'est parce que derrière, il y a mort d'homme. Alors ce cher monsieur Vincent Billy, moi, je l'interpelle, je suis très intéressé pour le rencontrer. Parce que pour moi, au stade où on est là, quand on diffuse de fausses informations, donc si c'est moi qui diffuse de fausses informations, il faut très très vite qu'il me convoque, parce que là, du coup, c'est quand même assez grave, il faut que je fasse du rétro-pédalage, si mes informations sont fausses, mais je crois qu'elles sont réelles. Et là, il y a mort d'homme. Donc quand il y a mort d'homme, moi je ne laisse pas quelqu'un s'engager sur une route si je sais qu'il va se tuer. Et laisser des jeunes s'installer en lapin aujourd'hui, c'est les emmener à l'abattoir. Donc moi, j'envoie pas des collègues, des amis à l'abattoir. Quand on sait qu'il n'y a pas de rentabilité, on ferme les élevages. Je suis à votre disposition, monsieur. À bientôt.